Salut, c'est Kaliana et de retour sur Far Cry 5. Donc, la dernière fois, on avait éliminé Faith, donc il reste plus que Jacob. Donc, on va changer de région. Et on va aller à la Syrie. Il y a quoi là-bas? Comment ça va, jeune fille? Quoi de neuf, mon pote? Je m'en remets pas. Une antilope. J'aurais bien besoin de bonnes nouvelles depuis le temps. Allez au boulot. Alors, un blindé. Il y en a un là-haut. Il y en a un là. Thank you.
Où est le truc de l'alarme? Attends, j'ai une surprise pour toi, mon con. Oh là là, il est à côté. Allez, pépèche, au boulot. Et voilà. On peut dire que tu sais te débrouiller. Elle a une sale gueule. La piste va bientôt refroidir. Ils auraient gagné. Ton aide. Merci, vraiment. Ça va être un gros boulot de vous nettoyer. Juste un tir. On n'a jamais trop. Bon, c'est bon, j'avais les clés. De l'argent et des lingots. T'es qui toi? Bon, allons voir. Où est-ce que tu débarques? Merci de m'avoir tiré de là. Jess, voilà. Jess. Si tu te bats contre la secte, tu connais déjà sûrement mon oncle Dutch. Écoute, j'ai pas de temps à perdre, alors je vais aller droit au but. J'étais sur la trace d'un des tarés de Jacob. Il se fait appeler le boucher. Ouais, c'est déjà un peu flippant comme ça. Mais crois-moi, il est encore pire. Je le tenais presque, mais une patrouille de cinglés m'est tombée dessus. Faut que tu m'aides. On doit pas laisser la piste refroidir. Si tu cherches à rallier les Whitetails, ça pourrait être ton ticket d'entrée. Et serait sur le gâteau, t'enverrais un gros sac à merde 6 pieds sous terre. Faut y aller. On a déjà perdu assez de temps. Suis-moi.
Par là. Ah, le boucher, c'est sympa comme nom. Ça met tout de suite dans l'ambiance. Tu vois, c'est sa signature. Des innocents brûlés vifs. Ah, ils auraient dû l'appeler le crameur, pas le boucher. Cette putain de secte enlève tout le monde. Que tu sois chez toi, au bar ou à l'église, ils t'embarquent. Ensuite, ils te rangent dans deux catégories. Faible ou fort. En fait, Jacob crée sa propre armée. Et ceux qui peuvent pas ou veulent pas se battre pour lui, il les fait buter. Il appelle ça « tuer les faibles ». Ça consiste à massacrer des innocents. Personne n'y croyait parce que personne n'avait envie d'y croire. Il y a une flèche en feu. Non mais boomer, casse-toi. Le boucher, c'est un des chouchous de Jacob, celui qui mène sa purge. Le boucher croit à toutes les conneries de Jacob, mais cet enculé va. Ça doit pas sentir bon. Point hauteur et Jess. On y va. Jetons un œil. Surtout, ne fais pas. Libérer les otages du camp. Merde, je vois pas cette grosse enflure. Mais par contre, il y a des gens enfermés. Ils traitent les gens comme des animaux. Ils les font même en cage. Ok, c'est parti. Je compte sur ta discrétion. Si on se fait repérer, les otages sont morts. Bon, déjà, lui. Hop. Ensuite. Hop. On va buter lui. C'est pas trop fort la discrétion. Je l'ai eu! T'étais pas obligé de tirer une flèche dans Pépèche. Hein. Voilà. C'est forcément un mauvais rêve. Tout ce que je sais, c'est que c'est pas vrai. Quel ramassis d'enfoiré. Seigneur! Je vais sans doute crever là. Ils sont morts. Hop. Hop. Et si tu me laisses là, je vais les buter. Merci. Fais gaffe, les fanatiques sont complets. Voilà. J'en vois d'autres. Le boucher, il les a emmenés dans la montagne. Oh, les otages, c'est toi. Merci, merci beaucoup. Oh, de la montagne. Merci. Il y en a d'autres. Il les a emmenés dans la montagne. Ok, on y va. Tu sais pourquoi on l'appelle le boucher ? Il y a quelques années, Jacob a envoyé un de ses gars chercher une famille. Les parents et les enfants. D'abord, bien. Il les a affamés. Dépêche, dois foutre les jetons quand elle s'y met. Il leur a rien donné, même pas une goutte de flotte. Au bout de 3 jours, ils avaient tellement soif qu'ils buvaient leur pisse. Mais les gamins résistaient. Alors les parents les ont fait boire de force. Et ils ont tout dégueulé direct. Ça a pas pu le boucher. Alors il a décidé d'attacher les parents à des poteaux en plein cagnard. Mmh.
Allez. Oula, il me voit. Ouvre la voie, je te couvre. N'oublie pas, s'il nous repère, ses gens sont tous morts. Boomer, il fait trop de bruit. Me déplace. Tant pis pour la discrétion. À moi. Il nous manque un, où le dernier? Le boucher a emmené les autres à la fosse. Il risque pas de remettre ça. Allez là. Viens par là, 2 minutes! Ce cougar essaie pas de me tuer. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Débarrassé de John, je vais aller m'installer à Holland Valley. C'est plus sûr là-bas. C'est vous cet officier qui a essayé de tuer. Bonne idée. Quand tout sera fini, je paye ma peau. Le boucher a attaché les parents à des poteaux et a décidé de donner un peu d'eau au môme. Et ensuite, il leur a demandé s'ils avaient faim. Bien sûr, comme ils étaient affamés, ils ont répondu oui. Ils ont supplié pour de la bouffe. Le boucher a demandé s'ils aimaient le porc. Ils ont dit oui. Alors il est sorti voir les parents. Il leur a enlevé leurs chaussures en chantonnant pour leur couper les orteils. Le sang a giclé comme un geyser. Le boucher avait un grand sourire aux lèvres en offrant chacun des orteils aux gamins. Est-ce qu'elle ne racontera pas son histoire par hasard? Mais rapidement, il restait plus d'orteils. Alors il a ri et il a foutu le feu aux parents. L'air s'est rempli d'une odeur dégueulasse de chair brûlée. J'oublierai jamais cette odeur. Quand ils ont enfin arrêté de hurler, j'ai regardé partout et il avait disparu. Il s'était évaporé comme un démon. Enfin bref, c'est pour ça qu'on l'appelle le boucher. Les faibles sont impurs et ne valent rien. Le fiel consume leur âme. Et voilà, ce putain de boucher. Le boucher, c'est lui. Pourquoi il allait cramer à la flamme.
chaque le dans son temps. Voilà. Sacrifiez les faibles! Purifiez leur âme par la flamme vertueuse du Seigneur! Ce connard aurait mérité de souffrir bien plus longtemps. Il en reste un. Tenez-vous prêts! Et voilà. Sans sonner. Dutch avait raison. Le boucher est mort et... Et je ressens rien. Mon seul objectif, c'était de trouver ce type et... Maintenant... Je sais pas. Je sais pas ce que je dois faire. Dutch avait raison sur plein de trucs, en fait. La secte. Ellie. Il a peut-être raison aussi à ton sujet. Toi, si t'as besoin de quelqu'un pour te couvrir, appelle-moi. Et... merci. Pour tout ce que t'as fait. Eh, au fait, ma nièce, c'est pas le genre à se faire des copains, mais... Si t'as besoin de quelqu'un qui fait les choses vite et discrètement... Elle est parfaite. Tu la surveilles pour moi, tu veux bien? Elle en a pas mal bavé. Bon. Reste deux personnes. Les sangliers ont pris tous les animaux, mais je crois que Cheeseburger est toujours dans la nature. Allez, on va aller faire Cheeseburger. T'aurais pas dû venir nous chercher. Qui c'est qui me parle? Un serre alpha, super. Bon.
Il y a des animaux. Et il y a deux alarmes. Casse-toi là. Et voilà. Apparemment, j'ai énervé des gens. Des chasseurs ? C'est inquiétant. Si Jacob veut te mettre la main dessus, il va t'envoyer ses meilleurs hommes. Fais gaffe à toi, officier. Bon, on va se faire enlever comme la dernière fois, quoi. De l'argent et des lingots. Ça va? Alors... Je suis content qu'il soit plus à la secte. Elle y dressait des loups pour foutre le bordel. Ils envoient ces saloperies de loups directement à la vieille Syrie, pour garder les prisonniers à l'œil. Avant, on avait un ours ici qui s'appelait Cheeseburger. C'était une sorte de mascotte locale. Faible pour le barbecue de Chad. Mais ça lui a filé du diabète, alors on l'a remis au régime saumon. Enfin bref. Ce monde est faible. Ramolli.
Nous avons oublié comment être fort. Nous avions des dieux pour héros. Aujourd'hui, ce sont des impies. Faibles. Veuls. Débiles. Nous laissons les fragiles diriger les puissants et nous sommes surpris de l'état de ce monde. Mais l'histoire connaît la valeur du sacrifice. Tuer les plus faibles pour garder la force. C'est ainsi pour tout. L'intérêt du groupe prévaut sur celui de la personne. C'est la loi de la nature. Mais nous l'oublions. Et maintenant, nous devons en payer le prix. Maintenant, l'effondrement est proche. Et cette fois, l'intérêt de certains prévaut sur le groupe. Et lorsqu'une nation n'ayant connu ni la faim ni le désespoir sombrera dans la folie, nous serons prêts. Nous allons abattre les faibles. Nous ferons ce que nous devons faire. Abat les faibles. Ne t'arrête pas. Bon, c'était pas ça. Fusil à pompon. S'entraîner, traquer, tuer, sacrifier. Oui, sacrifie les faibles. Continue. Hey, je les vois. En avant. Quel bordel. Witty, vérifie ces fauteuils. Ils pourrissent dans ce merdier depuis des jours. Walker, ouvre les fenêtres. Oui, chef. Et coupez cette putain de musique. Oh merde, c'est Sully. Quand est-ce qu'ils l'ont eu? Pourquoi on s'emmerde à faire tout ça? Vérifie quand même. Oh, pourquoi je me tape toujours les cadavres? Putain de merde! Quoi? Merde! Elle est vivante. Walker, le camion. Oui, chef. Oh, c'est pas vrai. Je suis désolé. Allez, viens m'aider, petit. Ellie, est-ce que c'est... Ouais. Mais qu'est-ce qu'elle peut bien foutre ici, bordel? Elle a bien plu à Jacob comme à nous. Tout ira bien maintenant, la star. On s'occupe de vous. On l'emmène avec nous au Wolfsden? Bien sûr.
Tammy risque de pas apprécier. T'en fais pas pour Tammy, elle s'en remettra. Du calme. Avec Witty, on s'est mis d'accord. Vous étiez d'accord? Wow. Hé, moi, tout ce que j'ai fait, c'est donner mon avis. C'est complètement stupide. Et c'est dangereux, bordel. Qu'est-ce qui vous a pris? Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Que tu la laisses là-bas. Tammy. On n'a aucune idée du temps qu'elle a passé là-bas. J'ai vu comment ça rend les gens. Pas toi. Tu sais pas, elle est peut-être dangereuse. C'est ce que tout le monde racontait sur toi. Mais heureusement, j'ai pas écouté. C'est pas la peine de discuter, elle est là. Et on a besoin d'elle. C'est compris. Bien vu, elle l'a très bien pris. Dehors. J'ai rien fait du tout. Je plaisantais pas. On a besoin de vous. Reposez-vous un peu. Ça va? Ah, j'ai mal aux cheveux, quoi. Salut, officier. Survivaliste écolo. Vous saviez ça? Alors, où est-ce qu'on est? Vous êtes réveillé. On est où? Je veux voir un peu d'action. J'ai dépecé mon premier lapin à 5 ans. J'ai beaucoup trop d'amis sur le... Nouvelles armes, pas là. Non. Ah ouais, on est vachement loin là. Faut pas sortir les armes. Ce serait con de perdre quelqu'un à cause. Vous revenez d'entre les morts? Content de vous voir debout. C'est Corrie au fait. Je vois ce qui semble être un barrage routier près de l'entrée sud. Ça fait longtemps qu'on vous cherche. Dutch dit le plus grand bien de vous. Bon, je vais vous parler franchement. Je sais ce que vous avez fait au sud. Vous avez donné un bon avertissement au père, et ça, c'est bon pour nous. On se fait laminer ici, faut être lucide. Je sais pas si on pourra tenir plus d'une semaine à ce rythme. On se retrouve vraiment au pied du mur. Je fais en sorte qu'on se reprenne. Alors j'ai envoyé un groupe de Whitetail saboter le centre touristique. La secte l'utilise comme dépôt pour sa putain de grâce. Mais les pauvres gars ont foncé droit dans un piège. Ils se sont fait prendre en otage. Et le temps joue contre nous. Si j'envoie un autre groupe là-bas, on risque de tout perdre. Mais vous? La secte s'attend pas à vous voir débouler. Vous êtes la seule personne ici qui soit capable de gérer cette situation. J'ai confiance en vous sur ce coup. Je compte sur vous. Vous allez devoir être une ombre. Si la secte découvre que vous êtes là, elle serait capable de tuer nos gars.
Il y a un arc sur la table si ça vous tente. Essayez de ramener nos camarades. Bonne chance. J'aurais jamais cru prendre du plaisir à la survie. C'est Corée, au fait. Je vois ce qui semble être un barrage routier près de l'entrée sud. C'est Corée, au fait. Je vois ce qui semble être un barrage routier près de l'entrée sud. Vous allez nous aider à reprendre la montagne. Je vois ce qui semble être un barrage routier près de l'entrée sud. C'est Corée, au fait. Qu'est-ce qu'elle fait ? Bonjour ? Je vous ai peut-être paru un peu trop dur. Je m'excuse pas. Je reconnais mes erreurs. C'est juste que je fais pas confiance aux inconnus. Mais d'après Ellie, vous êtes réglo. Alors je vais me contenter de ça pour le moment. Faites vos preuves. Et vous et moi, on apprendra à s'entendre. Voilà le topo. Witty essaie de monter une station radio pirate. Il a dit à Ellie que c'était pour aider à coordonner la milice. Mais je pense plutôt que c'est pour diffuser sa musique. Donc on va lui filer un coup de main. Le problème, c'est qu'il a pas de signal. D'après notre expert, la secte brouille les ondes dans toute la zone. Et on sait comment. Apparemment, des brouilleurs ont été placés sur 2 tours radio. Et 1/3 sur une unité mobile qui patrouille sur les routes. Commencez par les tours. Ça devrait libérer le signal pour que je localise la patrouille. Je vous préviendrai quand ce sera fait. Faites ça. Et peut-être que je vous ferai davantage confiance. Ok, on y va. Par où on sort ? T'as rencontré Ellie alors ? T'es entre de bonnes mains. Alors, c'est quoi ça ? Il pourra te filer tout ce qu'il te faut pour survivre dans la montagne. Mais je continue à garder un œil sur toi, t'en fais pas. À bientôt, officier. Et... Allez, pépèche, brûle-toi. Moi, j'en vois que 4. Reviens. Thank you.
Tac, pépèche. Ouvert, attaque. Quelque chose. J'ai vu ma vie défiler devant mes yeux. Sauvez nos gars au Devil's Drop. Par pitié. Encore un dedans. Et où le dernier? Ah là-bas. Non, c'est pas lui. Merde, il est où ? Pardon. Je t'en prie. Jamais je pourrais assez te remercier. Ils retiennent deux Whitetails au tunnel Okai. Ah, ici. Merde. Ça veut dire qu'ils vont les balancer du Devil's Drop. Ils ont emmené deux des nôtres au Devil's Drop. Jacob est sur le sentier de la guerre. Il cherche le Wolf's Den. Si les cinglés nous trouvent, on est foutus. Et si nos gars crachent pas notre position, ils seront balancés du haut de la falaise. Maniez-vous, officier. Le Devil's Drop est au sud de votre position. Faut que je me rachète des bottes, mais le shopping, ça m'emmerde. Alors, la route. Sniper et trois connards. Là, oh là là, il y a plus que trois connards. Thank you.
C'est quoi ce... Ça c'est bon. Alors. Salut, c'est on va retourner là. Les sangliers ont pris tous les animaux, mais je crois que...